Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les titres que j'ai pu repérer pour les sorties du mois de décembre. C'est pas un mois qui est très très rempli en sorties comme d'habitude, mais je me suis dit que j'allais profiter justement de cette vidéo pour vous donner quelques idées de cadeaux. Des idées cadeaux qui ne seront pas des éditions collector de chaque livre, parce que là, cette année, il y en a eu partout. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez prendre des éditions collector, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un. Mais clairement, entre les deux Saxus, il y a Rajo qui a fait ça, il y a plein de maisons d'édition maintenant qui font des éditions collector. Donc des hardbacks, j'entends, hein, bien sûr, je vais pas citer ça dans la vidéo, mais je me suis dit que j'allais citer 2-3 petites choses qui pourraient peut-être vous donner des idées pour Noël. Donc je commençais d'abord par les sorties du mois de décembre. Il y a pas mal de sorties de chez De Saxus, alors je sais pas si ça sortira le bon jour ou pas, normalement ils ont dit que oui pour que ça sorte bien avant Noël. Donc la première sortie que j'ai repérée, c'est Le Palais des Otomae, donc de Nina Varela. Ici, normalement, un roman de science-fiction young adulte, si j'ai pas de bêtises, où au niveau du résumé, on nous dit « Conçu par les humains pour leur bon plaisir, les Otomae ont renversé et asservi leur créateur lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Jeune Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais elle ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Krier. À présent, au service de celle-ci, elle découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. Lady Krier a été conçue pour être parfaite et reprendre l'œuvre de son père, mais c'était avant qu'elle soit financée à l'ambigu Kinnock et qu'elle découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'Ayla et Krier se rapprochent, le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Je suis assez curieuse de découvrir un petit peu ce titre-là qui touche à science-fiction avec tout ce qui est robot ou IA. Je trouve ça assez intéressant et là j'ai l'impression que ça va être le cas ici. Donc j'ai vu de bons avis également quand il était sorti en anglais, donc je me suis noté celui-là. Ensuite, le 6 décembre, j'ai noté la suite. Alors je sais pas si c'est que 2 tomes ou s'il va y avoir plusieurs tomes. Donc de la série Que la mort soit douce de Laetitia Danay qui sort aux éditions Plume Blanche. Alors, je ne sais pas forcément grand chose de cette série, le résumé n'est pas très long. On nous dit « Depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes, Katel n'a pas connu une existence bien paisible. Seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. » Voilà, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas forcément vu beaucoup d'avis sur le premier titre, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé ou pas. Mais voilà, ça sort chez Plume Blanche et ça sort du coup le 6 décembre. Ensuite, j'ai vu une sortie le 7 décembre aux éditions MXM Bookmark et j'ai l'impression que c'est un format limite collector parce qu'une marque format alternatif. Et je crois qu'il sort en paperback peut-être en janvier du coup. C'est Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, donc de Mo Tiang Tong Tiu. Alors, je n'ai jamais vu passer ce titre en anglais, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai vu un petit peu le format paperback et je le trouve vraiment beaucoup plus joli que le format hardback qui est proposé. Là du coup, pour le résumé, on va suivre Wei Wuxiang, était autrefois l'un des hommes les plus puissants de sa génération. Un jeune cultivateur talentueux et intelligent qui, de par ses prodigieuses capacités, maîtrisait aussi bien les arts martiaux que la spiritualité. Mais lorsque les horreurs de la guerre le poussèrent à se mettre en quête d'un pouvoir plus grand encore en suivant la voie hérétique, le fait du monde à l'égard de ses facultés se transforma en peur et sa mort fut célébrée à travers tout le pays. Et plus tard, il se réveille dans le corps d'un jeune homme victime d'une grave injustice qui, en dernier recours, a sacrifié son âme afin que Wei Wuxiang le venge. Malgré cette seconde chance, il n'est pas pour autant libéré de sa vie antérieure, pas plus qu'il ne l'est des mystères qui se présentent à lui. Cette fois, il fera face à l'adversité aux côtés du vertueux et estimé Lang Wangji, un autre puissant cultivateur dont le dévouement inébranlable et le souvenir de leur passé commun aideront à faire la lumière sur les sombres vérités qui les entourent. Je trouve ça assez chouette avec une histoire, avec une vie antérieure. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Après, je trouve que le format paperback est peut-être plus joli, enfin le format broché. Je sais jamais si c'est broché ou relié, enfin tout fluffy. Donc moi je pense que j'attendrai plutôt au mois de janvier pour voir un petit peu la sortie. Du coup là on va passer au 8 décembre et là il y a des sorties de chez De Saxus normalement. C'est Crescent City le tome 2, donc Maison du Ciel et du Souffle de Sarah J. Maas. C'est le tome 2 de sa saga d'Urban Fantasy. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, je vous remettrai le résumé du tome 1 là sur l'écran. Mais j'ai vraiment très hâte d'avoir cette suite. J'espère en tout cas que ça va bien sortir le 8.
Donc voilà, en tout cas ça va être une énorme briquette, donc c'est prévu d'être lu normalement pendant les longues soirées d'hiver. Le 8 décembre il y a également une suite, donc un tome 2, c'est Les Serpents Argentés de Roshani Chokshi. Alors je sais pas si c'est une duologie ou si ça va être une trilogie, je sais pas du tout. J'ai pas découvert le premier tome, il me tentait pas plus que ça, mais au vu de tous les avis positifs que j'ai vus sur le premier tome, maintenant ça me tente bien. Surtout pas mal de personnes ont dit que c'était un petit peu avec des vibes à la Six of Crows, donc forcément bah, je l'ai rajouté à ma wishlist parce qu'au début c'était pas trop... je l'avais pas mis dans ma wishlist et là je me dis pourquoi pas le découvrir. Et enfin, le 8 décembre, une sortie qui m'intéresse énormément parce que c'est T.J. Clune, donc toujours chez les deux Saxus, c'est Sous la porte qui chuchote. Je suis pas très fan du titre en français, je trouve que ça aurait été mieux de laisser le titre en VO. Alors pour le résumé, on va suivre Wallace Price, qui n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours, y parviendra-t-il ? Franchement, ça a l'air trop trop bien. Je pense que ça a l'air d'être aussi cosy que son autre titre, donc La maison au bord de la mer céruléenne. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce nouveau roman de T.J. Clune. J'espère vraiment que ce sera tout aussi bien que l'autre titre. Enfin, la dernière sortie que j'ai marquée pour le mois de décembre, c'est le 4e tome de la saga Compass de Brittany Secheri, donc c'est Étoile du Nord. Je lis pas forcément le résumé, mais il me semble qu'on va suivre un personnage qui apparaît dans le tome 3. Moi, j'ai pas du tout commencé cette série parce que j'attends les sorties poches qui arriveront début d'année prochaine. D'ailleurs, le premier titre de cette série en format poche a une couverture que je trouve beaucoup beaucoup plus jolie que les couvertures grand format avec les gens et tout dessus. Moi j'aime pas trop quand il y a des personnages, là la couverture est beaucoup trop jolie, c'est un peu un violet rose où il n'y a pas de personnage dessus, donc c'est trop top. Voilà, donc et à la sortie du tome 4, si jamais vous êtes à jour dans cette série, et je crois que c'est le dernier tome, je crois que c'est une série en 4 volumes comme pour la saga The Elements, donc voilà. Enfin, avant de terminer du coup la vidéo, je voulais vous donner quelques idées cadeaux, quelques titres que j'ai pu repérer, notamment des coffrets. Je suis partie vraiment sur l'optique de vous présenter des coffrets, pas les éditions collector et les éditions hardback comme je vous disais au début de la vidéo. Donc j'ai repéré 4 coffrets déjà de manga qui sont sortis là en fin d'année, avec à chaque fois les 3 premiers tomes. Donc vous avez le coffret Spy X Family qui est sorti, donc il y a les 3 premiers tomes de la série plus un poster. Je trouve ça toujours sympathique de découvrir une série avec 3 premiers tomes de manga. En plus, avec un petit format coffret, c'est une 20aine d'euros à chaque fois. Je trouve que c'est pas trop trop excessif au niveau du prix pour faire un cadeau, donc c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu ces idées-là. Là après, vous avez Toilet Band Anna Kokon qui est sorti aussi en coffret avec les 3 premiers tomes. Je suis beaucoup trop fan de l'animé, franchement si jamais vous n'avez pas découvert ni l'animé ni le manga, alors je conseille toujours de lire le manga avant, mais l'animé est trop trop bien, c'est clairement le genre d'animé à regarder en automne, c'est un peu spooky sans forcément être trop effrayant. Franchement au niveau des personnages c'est vraiment chou, c'est joli à voir, enfin j'aime beaucoup trop cet animé. Ensuite j'ai également noté la série Blue Lock qui est sortie en coffret de 3 tomes. Donc là ça parle de foot mais c'est un foot assez particulier il me semble, avec peut-être des pouvoirs, je sais pas trop, je me suis pas trop intéressée à cette série, mais je sais qu'elle va sortir également en animé, donc je regarderai peut-être l'animé si jamais pour voir un petit peu si ça peut me plaire ou pas. Ensuite une série que j'ai regardée aussi en animé et que je vous conseille à 1000% parce que si vous aimez les shoujo, mais les shoujo très drôles avec beaucoup d'humour, avec des personnages hauts en couleur, vous pouvez foncer sur cette série, que ce soit en manga ou en animé, c'est Orimiya. Donc il y a le coffret des 3 premiers tomes aussi qui vient de sortir, enfin, qui est sorti là fin d'année. J'aime beaucoup trop cette série, j'aimerais beaucoup la relire en format manga parce que j'ai uniquement vu l'animé et c'était tellement drôle et tellement bien. Quelques passages un petit peu cringe je trouve avec le garçon et le père de la fille,
Mais franchement, c'était trop trop bien. J'ai beaucoup trop aimé cette série. Ensuite, au niveau des coffrets romans, j'ai noté la sortie de Campus Driver, le coffret illustré. Je vous l'avais présenté dans une des vidéos sorties livresque, mais je sais plus, je crois que c'était octobre ou novembre. C'est un coffret qui contient les 3 tomes en format poche de cette série de romance contemporaine, et en fait chaque tome a été retravaillé, donc la couverture change, c'est une illustration, et il y a également des illustrations à l'intérieur des romans. Il y a 3 ou 4 illustrations je crois, qui ont l'air vraiment d'être très très jolies. Donc le coffret, je le trouve vraiment très chouette à offrir pour tous les fans de romance par exemple, les personnes qui ont adoré cette série et qui veulent absolument cette édition, ou les personnes qui n'ont pas découvert cette série non plus. Et en plus pareil, il est à 19,95€, donc je trouve que pour l'achat de 3 tomes en format poche avec ce petit coffret comme ça, c'est très très chouette en idée cadeau. Vous avez la passe miroir qui est sortie également en format intégral, donc c'est le coffret de 4 tomes. Alors moi je trouve que les formats poche de chez Gallimard, ça me dérange pas avec le côté jaune fluo, ça a un certain style on va dire. Mais ce qui me dérange dans ce coffret, c'est uniquement le fait que le tome 4 au niveau du titre soit pas de la même police, enfin de la même taille que les autres. Ça me trigger quand je vois le coffret, il y a juste ça qui est assez perturbant, mais ça peut quand même faire une très chouette idée cadeau aussi d'offrir un petit coffret comme ça de l'intégrale de cette saga. Après on passe à 2 magnifiques coffrets. Alors j'avais déjà vu le premier qui est sorti l'année dernière, et là il y a la suite de cette série qui est sortie en coffret aussi. C'est des coffrets qui sont sortis chez Monsieur Toussaint Louverture. Si jamais vous avez vu passer, ils publient en fait la série Anne Shirley de Lucy Maud Montgomery. Et ils ont sorti l'année dernière les 3 premiers titres, donc en coffret. Donc je vous mettrai les 2 images sur l'écran. Et là cette année du coup ils font le tome 4, 5, 6 du coup dans un même coffret. Je trouve ça vraiment très chouette également à offrir. Alors après si les personnes sont fans de cette saga, je pense qu'ils ont peut-être déjà acheté les tomes. Mais si jamais ils sont en retard par exemple, ou si vous voulez faire découvrir une saga parce que vous aimez beaucoup cette série, je trouve que ça peut être très chouette aussi. Donc là les coffrets sont un peu plus onéreux parce que c'est des formats, enfin c'est des grands formats, c'est pas des poches, ils sont à 52,50€ chaque coffret. Donc voilà, c'est vraiment une super bonne idée cadeau aussi, je trouve que les coffrets sont magnifiques. Le contour du coffret et tout, enfin c'est trop trop beau à mettre dans la bibliothèque. Après, une autre série que j'ai vue également en coffret, c'est la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. C'est une série de saga familiale historique, si je ne me trompe pas. Les 5 tomes sont sortis et là du coup il y a un coffret des 5 tomes. Il n'est pas disponible partout, je l'ai vu il me semble sur le site de la FNAC. Je crois qu'il n'est pas disponible partout, donc il faudra voir un petit peu si jamais vous voulez absolument ce coffret pour le commander un petit peu tôt je pense. Mais voilà, j'ai vu qu'il sortait en grand format également. Alors il commence à sortir en poche les titres, mais là du coup c'est un coffret de grand format. Donc si jamais vous avez des personnes qui adorent les titres historiques, les sagas familiales, ça peut être très très chouette également en idée cadeau. Chez Gallmeister, dans leur collection Totem, ils ont sorti un coffret de la saga Lonesome Dove. C'est un coffret avec l'intégrale de la saga plus des bonus. Donc il me semble qu'il y a des cartes postales et une carte, genre une carte du monde en fait qui est dedans, si j'ai pas de bêtises. Donc il y a 5 volumes dedans, donc je trouve que c'est une très belle idée cadeau aussi. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois qu'on est dans le fin fond des États-Unis, voire au Mexique, si j'ai pas de bêtises. Et on est au 19e siècle, on nous parle un petit peu de tout ce qui est western dans cette série. Moi c'est pas trop mon délire, mais j'avais vu passer des avis dessus qui disaient que c'était vraiment très très bien parce que les personnes aiment bien ce genre là. Donc voilà, si jamais vous connaissez des personnes qui aiment bien cette thématique, que ce soit dans les films ou autre, ça peut être très chouette également d'offrir cette série. Ah oui, et avant de terminer, je vais revenir sur un coffret de manga que j'ai repéré aussi et que j'ai zappé de vous présenter. C'est le coffret de la série Orange de Ichigo Takano. La série s'est terminée là cette année, il y a le 7e tome qui est sorti et donc vous avez un coffret des 7 tomes de cette série. Donc une série terminée en manga en coffret, c'est très chouette aussi. Du coup là vous avez les 7 tomes. Alors je crois pas qu'il y ait de bonus, je dis pas de bêtises, j'ai pas vu qu'il y avait de cartes ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un coffret des 7 tomes. Il est à 55€ parce que ben, vous avez les 7 tomes quand même de disponibles. Après si jamais vous aimez, vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup cette série, qui n'a pas le tome 7 et qui voudrait le format coffret, je sais qu'ils vendent uniquement le 7e volume avec justement le cadre du coffret. Donc comme ça la personne pourra mettre les 6 premiers tomes qu'elle a déjà du coup dans le cadre en fait. Je sais que ça se fait sur certaines séries de manga. Là je sais que pour Orange ils l'ont fait parce que j'ai vu passer l'info.
Mais pour d'autres séries de manga, après, il faut voir avec les éditeurs. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pu repérer. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres choses, notamment au niveau des coffrets de manga. Il y en a encore d'autres. Il y a les séries assez phares comme Attaque des Titans, ils ont encore ressorti des coffrets. Vous avez Naruto aussi, ils ont sorti un coffret. Enfin, il y a plein de séries où ils sortent des coffrets en fin d'année. Vous pouvez même regarder sur certains sites, vous avez encore les coffrets de dispo des fois de l'année d'avant. Qui restent sur certains sites parce qu'ils n'ont pas été vendus. Donc si jamais vous voulez un petit peu farfouiller sur certains sites, vous recherchez par exemple telle ou telle série, vous marquez la série coffret manga et hop, vous tombez dessus. Donc je trouve ça très chouette comme idée cadeau. Moi je trouve que c'est toujours mieux d'offrir un petit coffret comme ça plutôt qu'un seul tome ou deux tomes. Après, si la personne est à jour et qu'il n'y a pas de coffret disponible ou quoi que ce soit, bah voilà, vous faites quand même son bonheur à lui offrir un tome de sa série de manga préférée. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pu repérer également dans les sorties un peu coffrées. Si jamais vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, ça aidera également d'autres personnes peut-être à trouver des idées cadeaux. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, je vous ai pas présenté les éditions Hardback Collector qu'il peut y avoir en ce moment. Vous avez encore très certainement, bah là il y a les deux Saxus qui vont sortir début décembre. Donc vous aurez des collecteurs comme ça de disponibles si jamais ça vous intéresse. Vous avez par exemple la saga Le Prince Cruel avec le premier tome, il y a l'édition collector qui sort et qui reste normalement, qui n'est pas en édition limitée je crois. Vous avez plein d'éditions comme ça qui sont disponibles au niveau collector. En format poche, vous avez également J'ai lu qui fait quelques petits formats collector, notamment pour le Tatoueur d'Oswit, j'ai vu passer. Vous avez bien sûr le Franck Tillier qui est sorti en édition collector, le Virginie Grimaldi. Comme tous les ans, vous avez les auteurs phares où il y a leurs éditions collector qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller checker ça en librairie. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, je vais en terminer ici. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir un petit peu les sorties du mois de décembre et de peut-être vous donner des idées cadeaux pour Noël. N'hésitez pas du coup à me donner d'autres idées dans les commentaires si jamais vous avez vu des sorties intéressantes. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.